Maghreb Orient Express, bienvenue à toutes et à tous. Avec nous sur le plateau de MO sur TV5 Monde, Samuel Bollendorf, merci d'être avec nous. Vous êtes photographe, votre exposition La nuit tombe sur l'Europe est à voir en accès libre jusqu'au 11 mai à la Canopée à Paris. Salim Saab, bienvenue également. Vous êtes rappeur, journaliste, animateur radio et réalisateur du documentaire qui a pour titre Beyrouth Street Hip Hop au Liban. Avec nous également Alexandre Kazerouni, bienvenue. Vous êtes politologue, spécialiste du monde musulman, chercheur à l'École normale supérieure à Paris, et vous êtes l'auteur du livre Le miroir des Cheikhs. C'est aux éditions PUF, musée et politique dans les principautés du Golfe Persique. Avant de vous donner la parole à tous les trois, connexion Tunis. Connexion Tunis, où l'on retrouve sans plus attendre Belhedi Bouhdid. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'association Chems, première association à défendre ouvertement les droits des homosexuels et des lesbiennes en Tunisie. Vous lancez une nouvelle version web de votre magazine, c'est tout récent. Peut-être d'abord un point sur la situation des minorités sexuelles en Tunisie. Quelle est-elle au juste aujourd'hui? On sait qu'on a vu beaucoup d'agressions ces derniers mois, ces dernières années. Où en est-on aujourd'hui? Bonjour et merci pour l'invitation tout d'abord. Donc, par rapport à la situation de la communauté LGBT en Tunisie, jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de l'article 230, bien sûr, l'article 230 qui pénalise l'acte homosexuel entre deux adultes consentants de même sexe et dans un cadre privé de 3 ans de prison. Et encore, on parle du test anal, le test qui est donc utilisé par la médecine légale pour prouver l'acte homosexuel ou la sexualité des citoyens. Jusqu'aujourd'hui, l'État tunisien, à travers ses institutions, il continue à utiliser ces deux mécanismes pour faire de la discrimination à l'égard des personnes LGBT et pour persécuter les personnes LGBT en Tunisie. Bien sûr, c'est le cadre légal et institutionnel. On souffre encore en Tunisie de la discrimination sociale, le rejet familial et le rejet du cadre éducatif et professionnel, basé sur la discrimination sur l'orientation sexuelle ou l'orientation du genre et ses expressions. Donc tout ceci font l'objet de notre travail au sein de Chems, qui est la lutte contre l'homophobie. Et ça passe justement par votre magazine, hein, Chems Mag, premier magazine LGBT en Tunisie. Son objectif, c'est quoi au fond? C'est de libérer la parole, de créer un débat au sein de la société tunisienne sur cette question des minorités sexuelles? Oui, justement, Chems Mag, c'est le moyen médiatique considéré par Chems pour faire la sensibilisation pour la tolérance à l'égard des personnes LGBT en Tunisie. On doit s'accepter, on doit accepter notre différence dans la société pour qu'on puisse se développer. Chems travaille, comme j'ai dit, sur la sensibilisation, travaille sur l'éducation et le plaidoyer. C'est ça les objectifs de Chems Mag. Donc à travers son contenu, à travers les thématiques évoquées dans le magazine, on essaie de lancer un débat sociétal sur l'homosexualité en Tunisie, sur le sujet, et sur la tolérance dans la société tunisienne, et bien sûr pour sensibiliser les gens et la communauté LGBT, bien évidemment, à travers les conseils inclus dans le magazine, pour qu'on puisse éviter tout ce qui est persécution ou condamnation ou arrestation sur la base de l'article 200. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Belhedi Bouhdid. Il y a donc Chems Mag, il y a aussi les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver. Merci à vous. Avec nous également aujourd'hui donc Salim Saab, vous êtes l'auteur du documentaire Beyrouth Street, Hip Hop au Liban. Vous retracez dans votre film l'histoire de tout le mouvement artistique au Liban. Vous donnez la parole à différents artistes. Alors il y a des rappeurs, il y a des artistes de rue, des street artistes, des danseurs également. On va regarder avant de vous entendre la bande-annonce. انت متمدن ومش قارئ العرف انا اجول بلاد الشام واراقب العنف بلش الجرافيتي العربي ببيروت مش محل تاني مينلي حبيت نقي سامبل عربي مينلي لانه
هل باكرون تبعنا هل ميوزك اللي جردك ليه أنا وجدودنا ربيانين عليها Where's your هوية؟ Got no idea Better tell me what the fuck you hear بنعمل جرافيتي كرمال نجمل المدينة أكثر كرمال like expressing ourselves حبيتك بالصيف حبيتك بالشتين Voilà donc pour cet extrait, Salim Saab. Qu'avez-vous au juste voulu montrer et voulu saisir à travers ce film ? Alors déjà, merci de l'invitation. Comme vous l'avez dit, moi je suis rappeur, journaliste et réalisateur de ce film. Je suis franco-libanais. Ouais. Donc je voulais mettre la lumière, je voulais mettre en lumière la culture hip-hop au Liban parce que déjà, moi je suis un activiste hip-hop depuis près de 20 ans. Et une des raisons pour laquelle j'ai voulu mettre en avant la culture hip-hop, c'est que de manière générale, lorsque l'on s'intéresse au monde arabe en ce moment, c'est souvent sur des sujets assez anxiogènes, guerre, violence, extrémisme, colonie. Et moi, je voulais montrer autre chose. Je voulais montrer des jeunes qui sourient, je voulais montrer des jeunes qui sont passionnés, je voulais montrer des jeunes qui, malgré tous les problèmes que connaît le Liban en ce moment, sont animés par une passion qui est le hip-hop. Et même si il n'y a aucun, presque aucun aspect pécunier derrière. Ils font du rap, ils font du graffiti, ils font de la danse par passion. Et pour donner, c'est peut-être naïf ce que je vais dire, mais pour donner un peu d'espoir au pays. Et c'est ça aussi que je voulais montrer. Et une des deuxièmes raisons, c'est que personne ne parle de la culture, entre guillemets, underground dans les pays arabes. C'est-à-dire que souvent, on va parler des pop stars. J'ai rien contre. Hein. Moi, j'invite beaucoup de pop stars dans les émissions que j'anime. Notamment avec les émissions télécrochets, hein, comme oui. Arab Idol, pour ne citer voilà, lesquelles. Donc, ouais. J'ai aucun problème avec ces émissions, mais je voulais montrer un aspect un peu plus underground. D'ailleurs, quand certaines personnes ont vu le documentaire, il a été projeté au Liban il y a deux semaines, ils étaient étonnés qu'il y ait ça au Liban. Ils disaient, nous, on est Libanais, on vit ici depuis toujours, on n'a jamais vu ça. Donc, ça me tenait à cœur et ça me tenait à cœur aussi de montrer un aspect artistique de mon pays d'origine qui est le Liban. Quand est-ce qu'elle a pris son émergence, cette scène artistique hip-hop libanaise ? Alors c'est arrivé après la guerre civile, parce que comme vous le savez, de 75 à 90, le Liban a vécu une longue guerre civile. Ouais. Et donc c'est arrivé peu après, 94-95, par le biais des rappeurs, comme Reyes Bek, Kitar Beyrouth, à qui je place une dédicace. Ouais. Et ils sont arrivés avec des thématiques d'après-guerre. Donc c'est marrant parce que d'abord, ils rappaient soit en anglais, soit en français. Et très vite, ils ont switché à l'arabe parce que le Liban est un pays arabe et la langue nationale est l'arabe. C'est un espace d'expression aussi. Quels sont les sujets abordés justement aujourd'hui par ces artistes ? On imagine que c'est très varié, mais on parle de quoi ? On parle de la guerre qui a pas très loin en Syrie, on parle des migrants, on parle… Alors il y a plusieurs thématiques. Certains groupes, effectivement, sont vraiment centrés sur l'aspect géopolitique de la région, la guerre en Syrie, le conflit israélo-palestinien, la crise des réfugiés. Il y a d'autres groupes qui sont dans un aspect un peu plus freestyle, ego trip, qui veulent juste monter sur scène et balancer leurs lyrics. Et il y a d'autres groupes qui vont parler de tout et rien, j'ai envie de dire, hein, de thématiques la vie, de société, de la crise que vit le Liban, parce que le Liban est en crise économique, en crise des ordures, il y a pas mal de crises en ce moment. Ça veut dire que cette scène hip-hop aussi, elle fédère au-delà des appartenances confessionnelles, religieuses Tout à fait. Le Liban, la politique libanaise est une politique confessionnelle, comme vous le savez, donc chaque confession a son parti politique, a son leader, chaque région à son parti politique, son leader, sa chaîne de télé, etc. – Le président doit être de telle confession, voilà. Le président du Parlement, idem pour le Premier ministre. – Tout à fait, ça il n'y a pas dans le hip-hop. Le hip-hop a réussi à mettre sous une même bannière toutes les confessions au Liban, et c'est quelque chose de très positif, et c'est quelque chose qui est abordé dans le documentaire. Peut-être juste Alexandre Caseroni, on parlera avec vous tout à l'heure de la culture à travers les musées hein, dans les pays du Golfe. Vous connaissez bien ces pays du Golfe. Pas de scène émergente hip-hop, même si on avait récemment El Cid qui vit à Dubaï et qui lui fait peut-être émerger le street art et le graffiti. Mais on n'a pas encore véritablement une scène hip-hop à Dubaï, au Qatar. Ben, le street art est montré, comme vous le mentionnez, mais il est montré sous le patronage des familles régnantes. Ouais. Donc on n'a pas cette dimension interlope du street art et du hip-hop. C'est-à-dire une dynamique qui viendrait
lancer un défi aux institutions. C'est l'inverse, en fait. C'est les institutions qui accompagnent l'arrivée du hip-hop sur place. Pour canaliser toute expression, on va dire... ça interroge généralement tout le processus de récupération de l'art contemporain. Ouais, et on va en parler avec vous à travers les musées dans quelques instants. Samuel Bollendorf, qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur ces millions de réfugiés qui se heurtent à la forteresse européenne, au juste ? Bah, d'abord, ce qui m'a amené à m'y pencher, c'est la façon dont nous avons été abreuvés de ces images terribles, hein, de foules, de naufrages, de bateaux bondés, de familles en pleurs, etc. Et en tant que citoyen, j'avais l'impression qu'on avait beau apporter des couches à des gens qui vivaient sous le métro à Stalingrad ou connaître des gens qui pouvaient donner des cours de français, c'est malheureusement pas nous, citoyens, qui pouvions régler cette situation. C'est une réponse politique, institutionnelle qu'il faut apporter. Et je pense que l'Europe est en grave défaut à ce moment-là. Je suis très européen, hein, mais ouais. je suis outré par la façon dont l'Europe se barricade et laisse ces gens qui fuient la guerre, ces familles entières, prendre des routes si dangereuses, risquer la mort pour... C'est réalisé en collaboration avec Amnesty International. Alors c'est un regard différent que vous nous proposez, hein, sur les parcours de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants qui sont contraints de prendre la route de l'exil. Alors on les voit étape après étape. Par contre, vous avez choisi une façon originale. Hein. On ne les voit pas, mais on voit plutôt les étapes, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce prisme-là ? Oui, je me suis dit que, justement, ces images n'opéraient plus. On l'a vu avec l'image du petit Aylan, ouais, qu'on avait retrouvé sur la plage turque. Ces images ont ému le monde entier pendant 15 jours. Et puis après, elles ont été balayées par l'actualité, par les attentats, par tout le fantasme sécuritaire que ça a pu charrier. Ouais. Et du coup, je me disais, mais ces images-là, nous les avons tous vues. Donc, ce n'est pas la peine de les reconvoquer. Ça ne sert à rien que moi, j'aille refaire les mêmes images que tous mes collègues photographes. Mais par contre, ce qui manquait, à mon avis, c'était de mettre des noms, de raconter des destins individuels, de se rappeler que derrière ces images de foule, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des hommes qui vivent des destins terribles. Il y a d'ailleurs les témoignages qui accompagnent vos images. On va peut-être s'arrêter sur l'une d'entre elles qu'on a vu défiler à l'écran. Il s'agit de gilets de sauvetage apparemment, mais pas seulement, des faits personnels. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte dans lequel vous avez pris cette photo et son histoire ? Ben, c'est, voilà, tout l'enjeu, c'est de travailler uniquement sur des lieux vides comme ça, où on ne voit pas les réfugiés et toujours de les faire dialoguer avec des textes. Et donc là, le texte qui accompagne cette image, c'est le récit de tout le commerce des gilets de sauvetage qui, pour la plupart, en plus, sont faux. C'est-à-dire que c'est des gilets de sauvetage qui font couler les gens quand ils se gorgent d'eau, au lieu de les sauver. De les faire flotter. Et donc, combien d'enfants, de femmes et d'hommes, ne sachant pas nager, se sont retrouvés attirés au fond de l'eau alors qu'ils pensaient être protégés par un gilet. Et donc, je me suis retrouvé à Lesbos, sur une île grecque, donc en face de la Turquie, dans cette décharge des gilets de sauvetage. Donc là, la profondeur de cet endroit, c'est 4 ou 5 mètres de gilets de sauvetage. C'est des centaines, ou je ne sais pas, des milliers de gilets de sauvetage. Alors, il y a l'exposition, il y a aussi un film, un documentaire d'une quinzaine de minutes. C'est un plan séquence, hein, de la nuit qui tombe sur l'Europe et précisément sur la mer Égée, puisque vous avez évoqué l'île grecque de Lesbos. C'est un texte qui est lu, on va le voir, par Catherine Deneuve, la grande comédienne française, figure citoyenne, qui a voulu rendre hommage à ses destins malmenés sur la route de l'exil. La nuit tombe sur l'Europe et c'est l'heure des passeurs. Ils règnent en maître et fixent les prix de la traversée. 1 500 € par personne sur un canot pneumatique. Pour une famille avec 2 enfants, c'est 6 000 €. Je pense à Maria, syrienne, fuyant la guerre. Son mari mort lors d'un bombardement. Seule avec son fils, sans argent, Maria a eu des relations sexuelles forcées avec le passeur pour payer sa traversée. L'accès à la mer se fait la nuit, au pied de la falaise, au milieu des rochers frappés par la mer démontée. Embarqués dans l'urgence, sur les frêles canots, malmenés par le ressac. À la moindre réticence, les passeurs forcent, sous la menace de leurs armes, jusqu'à des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants terrorisés, à s'entasser sur les rafiots de fortune. Ils sont partis au milieu du noir pour mettre leurs enfants à l'abri en Europe. Ils ont vendu leur maison, leur magasin, leur voiture, ils ont tout vendu pour financer leur exil. Photo ou vidéo, toujours pas de visage de migrants. Pourquoi ce plan séquence ? Qu'est-ce que ça apporte ? C'est assez saisissant comme expérience. Mais je pense que
Malheureusement, c'est terrible, hein, mais peut-être que les citoyens européens ne se projettent pas dans ces destins individuels, peut-être parce que ce sont des enfants et des familles qui n'ont pas le visage d'Européens de souche. Je ne sais pas comment dire ça, mais sur Aylan, je me suis dit que ce qui avait opéré, c'est que c'était un enfant dans lequel tous les parents d'élèves qui avaient amené leur enfant à la rentrée des classes pouvaient se reconnaître. Et je pense que si malheureusement ça avait été un enfant noir avec des tongs, ça n'aurait pas produit le même effet. Et donc je me suis dit, mais il ne faut pas forcément voir les visages. Nous les avons vus déjà. Mais par contre, si on raconte cette histoire et qu'on est capable de se projeter, c'est-à-dire si l'image ne nous dicte pas l'imaginaire que nous devons avoir, mais si chacun est capable d'imaginer ce que c'est que de traverser la mer Égée la nuit avec sa famille dans des telles conditions, alors peut-être qu'il va enfin comprendre ce que vivent ces gens et peut-être du coup d'être sensibilisé. Une petite réaction sur ce travail, peut-être Salim Saab. Oui, je voulais poser une question. En fait, vous vouliez laisser libre cours à l'imagination des téléspectateurs, en fait. C'est ça ? Oui, je pense que si chacun vit dans son cœur ce qu'il pourrait connaître comme détresse, et si ce n'est pas juste un tableau dont il reste extérieur, peut-être qu'en étant affecté, il va changer son point de vue. En tout cas, vous pourrez vous faire votre propre idée, Salim Saab. C'est à la Canopée à Paris, donc en accès libre jusqu'au 11 mai. Alexandre Cazerouni, Le miroir des chairs, musée et politique dans les Principauté du Golfe Persique, sujet passionnant pour le commun des mortels, pour le grand public. Soyons clairs, l'association entre pays du Golfe et culture est nouvelle, elle étonne parfois, elle contredit l'image habituellement associée à ces principautés du Golfe Persique. Pourquoi est-ce que vous avez voulu nous parler de ces États, de ces pays, de leur régime, de leur peuple aussi, parce que c'est ce dont il est question, à travers ce prisme de la culture et des musées ? Déjà parce que le projet Louvre Abu Dhabi m'interrogeait, comme beaucoup de gens. Et par ailleurs, on sait très peu de choses sur le fonctionnement interne de ces principautés, donc le Koweït, le Qatar, le Bahreïn et les Émirats arabes unis, alors qu'ils ont une présence à l'international de plus en plus forte. Et c'est ce différentiel, moi, qui m'intriguait entre leur survisibilité à l'étranger et l'invisibilité de leur fonctionnement interne. Et en particulier, l'idée que la population nationale est de taille très réduite et qu'elle forme un bloc. Et en essayant de comprendre, moi, de mon côté, pourquoi il y avait un Louvre à Abu Dhabi, pourquoi il y avait un engouement pour les musées au Qatar et à Abu Dhabi, j'ai essayé en fait de rentrer au sein de cette population nationale. Ouais. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau que les projets sont nés. On n'est pas du tout dans une situation d'exportation de grands musées occidentaux. Le tournant, vous le dites, c'est début des années 90 avec la guerre du Golfe. Hein. Voilà. C'est pas le 11 septembre qui est le moment de lancement, en fait. Ouais. Le tournant, c'est vraiment 90-91. Le monde a changé du point de vue du Qatar, du Koweït, des Émirats arabes unis et du Bahreïn après cette guerre. Et le livre est construit autour d'un propos assez simple, mais quand même paradoxal, c'est que l'importation de toutes ces marques culturelles du libéralisme participe en fait d'une restriction de la participation politique au niveau local. Si vous voulez, si on peut le résumer. Vu d'Occident, on voit ça comme une avancée culturelle, une ouverture d'esprit. Voilà. Mais c'est en fait un outil qui, à des fins intérieures, est plutôt destiné à museler une population. C'est-à-dire que le Louvre Abu Dhabi, au lieu d'être une promesse de libéralisation politique à venir, quand c'est ce que j'en ai compris moi en faisant la sociologie de cet objet et des objets similaires, au Qatar également. Ce qu'on voit, c'est une restriction de la participation politique et finalement une dérive autoritaire. Et c'est assez contre-intuitif l'idée que l'engouement pour les musées et à travers eux pour l'art participe d'une dérive autoritaire. Mmh. Et en fait, le livre est centré là-dessus, comment les deux peuvent s'articuler au début du XXIe siècle. Mmh. C'est pour ça que vous les appelez d'ailleurs des musées miroirs. Oui, alors l'appellation, c'est un concept que j'ai créé pour enfermer tous les faisceaux d'explications que je propose, mais c'était aussi pour prendre le contre-pied de l'idée du dialogue. Parce qu'une des choses, un des traits les plus frappants de ces projets, c'est qu'ils sont placés sous le parapluie du dialogue des cultures et des civilisations, mais quand on s'intéresse à leur conception et à leur mise en œuvre, ce qui est le plus frappant, c'est qu'il y a une exclusion totale de la population nationale.
de leur conception. Ce que vous nous dites, c'est que les Qatariens ne vont pas forcément au musée d'art islamique de Doha au Qatar, que à Dubaï on va pas au Louvre, enfin à Abu Dhabi on va pas au Louvre. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que moi justement j'essaie de sortir de la question du public, de qui va aller voir ces musées, puisque là on est dans la projection vers le futur. Ouais. Moi j'ai plutôt tourné la tête dans l'autre sens et je me suis demandé mais qui bénéficie de la mise en œuvre de ces projets? Qu'est-ce que ces objets, en tant que projet, même à l'état de projet, signifient? Et donc, je me suis beaucoup intéressé aux prestataires de services occidentaux auxquels sont délégués la mise en œuvre du Louvre Abu Dhabi, du musée d'art islamique de Doha. Ouais. Et alors? Et alors, je suis arrivé à cette conclusion que j'essaie de défendre dans le livre, c'est que s'il y a un tel appel fait aux étrangers, en particulier aux occidentaux, sur tous ces projets, c'est pas tant parce qu'ils ont de l'expertise que parce qu'ils sont plus obéissants que la population nationale. Et en fait, loin d'être des déserts au niveau culturel, le Qatar et Abu Dhabi, on a affaire à des pays qui ont lourdement investi dans l'action publique culturelle depuis les années 70 parce qu'ils avaient de l'argent. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi toute cette bureaucratie culturelle est aujourd'hui exclue de la conception de ces musées, y compris les musées nationaux. On n'a plus affaire à de l'art contemporain. Et on peut s'attendre à ce qu'ils aient quand même un savoir-faire sur qu'est-ce que leur identité nationale à eux, sachant qu'ils ont tous des musées nationaux qu'ils ont inaugurés dans les années 70. Et pour aller plus loin, il faut absolument lire donc votre livre « Le miroir des chairs ». On va maintenant passer à notre séquence atmosphère, les coups de cœur de nos trois invités. Et on va commencer avec vous, Salim Saab. Vous avez choisi comme coup de cœur un film qui s'appelle « Hors la vie » du réalisateur libanais Maroun Baghdadi. On regarde un extrait, puis après vous nous dites pourquoi vous avez choisi ce coup de cœur. Hi man, it's me, De Niro. We're making a movie. I'm the director. And I want you to be excellent. Okay, let's be serious. You're gonna read this. But don't change the text. No, man. You look great like this. We want your government to know that we are serious. Enlève ton bandeau. Chilo kullo. Adema. Wajak lahon. Go. Salim Saab, c'est un film qui est sorti en 1991, une date qui n'est pas anodine, bien entendu, pour le Liban, par rapport à ce que vous nous disiez. Pourquoi choisir ce film qui a plus de 20 ans ? Déjà, c'est un film de Maroun Baghdadi, réalisateur libanais qui nous a quittés en 1993, paix à son âme. C'est un film que j'ai vu qu'une fois, avec mon père et mon grand frère, ils nous avaient emmenés au cinéma. Ouais. Et c'est un film qui m'a marqué parce que c'est l'histoire d'un photographe français qui se fait enlever durant la guerre civile du Liban. Et on assiste un peu à sa descente aux enfers, à sa solitude, à son désespoir. Et moi, je dresse un parallèle entre l'histoire de ce photographe et le Liban durant la guerre civile, qui effectivement était dans une descente aux enfers, qui se retrouvait seul face à toutes ces grandes nations qui faisaient leur petite guerre au Liban. Et c'est un film qui m'a vraiment marqué parce que je l'ai vu qu'une fois et je l'ai encore en tête. Un film bouleversant pour vous. Samuel Bolander, vous avez choisi la pièce de théâtre Les larmes d'Oedipe. Pourquoi ? Oui, pour moi, c'était très étonnant. J'ai travaillé donc récemment sur une sorte d'odyssée que vivent les réfugiés lors de leur traversée. Et je me suis retrouvé au Théâtre de la Colline récemment à voir cette pièce dont finalement on retrouve la transposition du mythe d'Oedipe dans une Grèce contemporaine qui lutte pour ses droits et finalement ce parallèle au-delà du talent de Wajdi Mouad m'a beaucoup ému et m'a parlé évidemment. C'est un très beau texte. Le grand Wajdi Mouad, très beau texte. Alexandre Casirou, vous avez opté pour des œuvres d'art d'arabe contemporain d'Ashraf Touloub que l'on peut voir notamment à l'Institut du Monde Arabe et au Centre Pompidou à Paris. Pourquoi ce coup de cœur ? Il y a beaucoup de choses à dire sur le travail d'Ashraf Touloub. Déjà, il est jeune et il est reconnu maintenant par les institutions. Il va être montré à la Biennale de Venise dans le pavillon principal. Mais la qualité suit aussi. On n'a pas, à mon sens, affaire à une spéculation sur un artiste. Et il nous dit des choses très profondes sur l'art et en particulier le dessin.
Moi, c'est ce qui m'intrigue le plus dans son travail, c'est comment il arrive à remettre au centre de l'art contemporain finalement cette pratique qui est la plus ancienne, la pratique du dessin. Et nous rappelle combien le dessin met le spectateur au plus près de ce moment de création. Qui est si proche de la vie intérieure de l'artiste. Moi, c'est sur ce point que je voulais insister. Au-delà de tout ce qu'Achraf Touloub nous dit sur tradition et modernité, sur la question des nouvelles technologies. En tout cas, la créativité par le dessin qui est remise au cœur et au bout du jour. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Maghreb Orient Express. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro sur TV5 Monde. D'ici là, on reste bien entendu connectés sur les réseaux sociaux. We'll be right back.